Salut à toutes et à tous, c'est Justin et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet dans ce nouveau vlog qui est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Fabien Roussel, c'est la jeunesse et sa situation aujourd'hui dans l'ère post-Covid. C'est parti! Salut. J'ai décidé il y a 6 mois de faire de la jeunesse une priorité dans la campagne. Je souhaite que l'on puisse en faire une grande cause nationale, une priorité du prochain mandat. Et donc c'est ce soir que je vais présenter ce pacte pour la jeunesse. Et moi ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez réussir à faire les diplômes que vous voulez jusqu'au bout et ensuite que vous ayez un travail qui vous soit rémunéré à la hauteur de votre diplôme. Je propose d'écrire ensemble un pacte national pour la jeunesse. Le pacte de la jeunesse, il sera fait pour vous, mais il sera d'abord fait avec vous. Mais bien sûr, avant cette rencontre des jours heureux, il y a eu des échanges avec de nombreux jeunes. L'occasion de revenir sur ce qu'il s'est dit directement avec eux. La principale dépense pour vous, c'est quoi ? Le logement. Ouais, c'est le logement. Ouais. Le montant de la bourse vous permet pas... d'assumer quoi. C'est très en dessous du seuil de pauvreté et en plus il y a le problème que la bourse est mal calculée, donc on a des gens qui vont avoir peu ou pas de bourse alors que les parents vont aussi galérer. C'est aussi en fait en référence avec la distance. Par exemple, s'il y a des parents qui galèrent mais qui vont être très proches de l'étudiant, ils vont calculer une bourse basse. Il faut des maisons de la jeunesse qui garantissent un statut social aux étudiants, c'est ce que je vais annoncer ce soir. Comment on fait vivre un statut social pour les jeunes? Comment on le fait vivre? Et pas seulement sous la forme guichet, mais on le fait vivre, en défendant leurs droits, en leur donnant accès, en les faisant connaître. Et... on a quitté la fac et on se retrouve maintenant dans un foyer de jeunes travailleurs. On va tout de suite aller voir ce qui s'est passé. Et l'ambition des maisons de la jeunesse, moi je pense que ce qu'on peut initier dans ces foyers jeunes travailleurs, là, de mixité, de mélange, de réflexion, de salles communes aussi où des jeunes diverses peuvent se rencontrer, échanger, je pense que c'est une richesse énorme pour n'importe quelle génération ou pour une nation. Enfin voilà, on le sait très bien, les fils d'ouvriers ont moins de chances et font moins de choses que... Et les lieux comme ici, il y en a plein d'autres, sont des lieux où se rencontrent des classes sociales et des classes d'âge différentes et des nationalités différentes. Nous, les aides aux entreprises, on veut les accorder en priorité à des entreprises qui vont s'engager pour l'égalité salariale femmes-hommes, pour le climat, pour le respect de la diversité, pour le respect du vivant, le respect des animaux, pour embaucher des jeunes en CDI. Donc on veut mettre en place un dispositif zéro jeune au chômage. Créer des emplois dans les services publics parce qu'on en a besoin et puis réindustrialiser le pays parce qu'on a besoin d'avoir une industrie en France. Pour notre candidat, ces témoignages sont une vraie source d'inspiration politique. Il citera d'ailleurs un certain nombre de ses jeunes interlocuteurs du jour dans son discours le soir même. Mallory, rencontré cet après-midi, me dit « Ça veut dire quoi se construire quand on est toujours rattaché à ses parents ?» Dragan, lui, m'a dit « Je travaillais dans la cuisine, mais maintenant je veux aller dans le social car je veux me rendre utile dans la société. » Et puis, une étudiante rencontrée à la fac quand je lui demande quelle est la première mesure à mettre en œuvre, me dit « La première mesure que je demande en tant qu'étudiante, c'est un revenu étudiant. » Voilà en quelques mots résumés, à travers des témoignages recueillis en quelques heures cet après-midi, ce qui peut s'entendre partout dans la jeunesse d'aujourd'hui quand on les interroge sur ce qu'ils vivent. Alors, pour améliorer ce qu'ils vivent, quel est le cap à tenir? C'est à ce sujet que j'interroge Fabien Roussel à l'occasion de notre désormais habituel débriefing de fin de vidéo. Quelles sont, toi, tes propositions pour aller accompagner aujourd'hui cette génération? Nous voulons, nous, faire de la jeunesse une priorité nationale. Ça veut dire faire en sorte qu'ils aient accès aux meilleures écoles, de la maternelle jusqu'aux universités. On a besoin de former des professeurs, d'embaucher des professeurs et de construire des collèges, des lycées, des universités pour qu'il ne soit pas plus de 20 à 25 par classe, pour que tous les devoirs soient faits
à l'école, pour qu'ils puissent avoir accès à la culture, au sport, enfin, avoir la plus grande ambition pour la formation de nos enfants, c'est quand même le plus bel objectif qu'une nation puisse se donner. Mais ce n'est pas qu'une question de moyens. Les jeunes veulent participer à la vie du pays. Ils s'engagent. On les voit dans les marches pour le climat, on les voit pour revendiquer contre Parcoursup. Ils ont des exigences qu'il faut entendre. Ils veulent un statut social, avoir accès au sport, à la culture, au logement, tout ça, au transport, parce qu'ils sont soucieux du climat. Et donc, tout ça, il faut l'entendre et pouvoir construire avec eux, cette société dans laquelle ils ont envie de vivre, tout simplement. Et puis soutenir les jeunes, c'est aussi quelque part soutenir les parents qui n'ont pas toujours les moyens d'aider leurs enfants à faire des études. Donc en fait, quand on aide la jeunesse, on aide toute la société. Bien sûr, quand on dit qu'on fait de la jeunesse une priorité nationale et qu'on veut leur garantir la meilleure école, qu'on veut faire en sorte qu'ils aient tous l'accès à un emploi garanti avec un bon salaire au niveau de leur diplôme. Mais c'est un soulagement pour les parents de savoir que la société, le pays tout entier va se préoccuper de l'avenir de ses enfants. Ça doit être une priorité véritablement de toute la nation, de mettre tous les moyens qu'il faut pour leur garantir le meilleur avenir. Voilà. Des lendemains qui chantent, des jours heureux. Des jours heureux, c'est un projet de société. Et le projet de société se construit avec les jeunes, pour les jeunes, mais surtout avec eux. Et ce projet, tu vas continuer à le construire. Moi, je te dis à bientôt et merci. On se rejoint la prochaine fois pour un truc un peu particulier, un grand rassemblement à Paris. À Paris, pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Super. Merci Fabien. À plus.